C'est Miss Nemo. On se retrouve pour l'épisode 7 du... Oh du DLC de Dishonored. De Majeur de Dunwall. Oula, beaucoup de choses à lire. L'épisode précédent avait été très très drôle à tourner pour moi, je vous l'avouez. Hein, c'est... beaucoup de choses à dire. C'est quoi, c'est une pièce ça? Ah oh, non. Du coup, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, moi? J'ai pas fini de tout fouiller? Oh, mais il est beaucoup trop grand, ce manoir. Oui, donc on est toujours dans... C'était pas un tableau comme ça, où il y avait la combinaison du coffre? Oh, ici, il y avait un coffre dans sa chambre. Je l'ai trouvé ou pas? Faut que j'y retourne. Je sais plus. On est toujours chez l'avocat qu'on a massacré, hein. J'entends des voix. Qui c'est qui a respiré comme ça? Oh, j'avais pas vu ça non plus. J'aime bien parce que l'univers est tellement grand dans le jeu. Enfin, ils ont vraiment peaufiné les détails et tout. Ouais, bon, il n'y a rien. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, les quais. Ok. Mais sa chambre, elle était à l'étage. Hein. Ah oui, ça c'est là où j'étais là-bas. Qu'il y avait un coffre dans sa chambre. Ah, mais c'était peut-être ça le coffre. Je pensais quelque chose avec une combinaison, mais non, ça devait être ça. Bon, écoutez, on va descendre au sous-sol, hein. Et puis ah oui, d'accord, charmant. Ok. J'étais en train de me dire, il y a une patate par terre, mais non. C'était pas une patate. Je peux traverser là. Oh, mais c'est horrible, j'ai tellement fait un massacre quoi. Je sais plus ce qu'il y avait au sous-sol. Ah oui, c'est les rats qui commencent à manger les cadavres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi ça tousse? Y a quelqu'un au sous-sol ou quoi? Ouais, je vais l'anesthésier celle-là parce que voilà. Ouais. Ok, est-ce que je peux... Oh oui, ça va. Ok, t'es en train de préparer du poisson. Je comprends pas, c'est la crise, il espionne traîner des... Oh. Des pièces d'or partout. Eh, il est vachement cool ce four. Enfin, il a trois fois rien comme texture, enfin comme... Comme machin, c'est que de la texture, mais oh, j'aime beaucoup. Ah non, c'est ce genre de petit détail que je trouve vachement marrant. Je devrais peut-être pas tout manger d'un coup. Levier. Ah oui, il est là le monte charge, ok. Trappe de la conduite. Ah, c'est là qu'il fallait que je mette le produit. Ah oui, bon. Non, j'ai tué tout le monde dans le doute. Revitalisant l'eau des fontaines, restaure une petite quantité de mana. Ah, mais ça je veux bien, ouais, carrément. Restonné par les potions. Autant supporter les canards.
C'est ça que je me suis toujours demandé à quoi ça servait de boire de l'eau. Ça doit régénérer un peu de santé ou du mana, je sais pas, j'ai jamais fait gaffe en fait. C'est tout? Qu'est-ce qu'il y a par là? Mais pourquoi lui il est en PLS? Tout citoyen suspecté de collaborer avec l'organisation criminelle des Chapeliers sera arrêté ou tué. Bon, j'ai pas tout compris. Je pense qu'il a dû s'échapper et comme c'était pas un garde, il était en panique, mais... Ah ouais, il y a vraiment plus personne. J'ai vidé la zone. D'accord. Bon, c'est bien, je peux continuer à fouiller tranquillement. Clé du manoir. Ah oui, non, mais bon. J'ai pas eu besoin, finalement. Je regarde un peu tous les chemins par lesquels je pouvais passer, en fait, finalement. En fait, il y en avait beaucoup. Hein. Je vois en fait par où ça mène ici. C'est désertique quoi. J'ai créé un quartier fantôme. Ah bah non, ça menait au même endroit en fait. D'accord. C'est vrai qu'avec Corvo, j'ai pris l'habitude en fait de passer par au-dessus. Mais celui-là, je l'avais changé, hein. Rassurez-moi. Enfin. Je peux passer là normalement, hein. Déployez-vous, on dirait qu'il y a du raffut. J'en sais pas plus. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous trouver. Ah oui. Mais allez, avancez. Je sais que vous êtes dans le coin. Ah, c'est con parce que du coup, maintenant qu'ils ont vu, ils viennent plus. Et si je me mets là? Eh les mecs, coucou! Il est malin, regarde par contre. Eh! J'ai trop peur de me faire cramer la tronche. Ah non, moi je passe, moi. On va vous avoir! Aux armes! Eh, eh, venez, venez, venez! Jette-toi sur lui! Allez, venez! Balance de la caillasse ou quoi? Attention. Pour la garde. Ah bah c'est con parce que ça passe même pas ça du coup. Bon bah écoutez hein, je vais laisser faire mes muses hein, et puis voilà. Hein. Oh, je me demande, je peux leur balancer une petite grenade là ou pas? Oh merde! Quoi, c'est tout? Attends, il est passé sous la map là? J'ai pas tout compris ce qui s'est passé là, j'ai plus de grenades. Oh et puis tu me saoules toi. Allez bisous.
Bon, j'ai voulu jouer, hein. J'ai perdu beaucoup de trucs, mais j'ai voulu jouer, voilà. Du coup, il faut que je retourne vers les quais, mais je vais me faire défoncer, là. Non? Je suis entendu, il y avait une porte chez le... Ah, oui, c'est ça. Il y avait une porte dans un bâtiment. Est-ce que si je l'utilise, ça ne serait pas plus sûr? Vous voyez ou pas? Ah, il y a même le sang qui s'étale, c'est bien fait. Hein. Parce que là, je les avais pas tués, les gars. Donc forcément... J'aurais peut-être pu passer par le manoir, hein, je vous l'accorde, mais bon. C'était où? Non, c'était pas... C'était pas ici? C'était pas là? Vous souvenez de quelle porte je voulais parler ou pas? Ah, c'était celle-là. Voilà. Est-ce que là, je suis où du coup? Elle est où la petite flèche? Je l'ai vue puis je l'ai perdue. Là. Ok. Je vois pas trop où je suis là. Mais bon. Ah si, d'accord, on venait de là-bas et moi je suis passée par là. Et là il y avait ce côté-là. Ah, d'accord. Ah bah. Elle m'attend. Coucou. J'ai vu Talia. Oui. Elle vous attend à l'endroit prévu. D'accord. Comment te dire? Oui, mais voilà quoi. Oh, j'ai peur. Ah, j'ai peur qu'il tombe et qu'il se casse la cheville, là, je vous l'avoue. Oh, il s'est fait tout manger, c'est dégueu. Vu qu'il y a un garde, on sauvegarde. Voilà. C'est toujours des balles, ça? Oui, ouais. Oh, j'ai plus de... Parce que... Attends, c'est lesquels que j'ai, là? Ah, c'est vrai que j'ai toujours des anesthésions. Attention, quelqu'un se cache dans le coin. Vous aurez trouvé, ça va mal aller. Non, tu n'as rien vu. Où êtes-vous? Je sais que vous êtes là quelque part, ordure. Alors attendez, parce que maintenant que je suis retournée avec les bidons d'huile, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On plaçait des réserves à des endroits stratégiques près du portail Faudrayon. Ok. Mais carreau explosif. Qu'est-ce que je fais avec? Il faut que je les défonce? Qu'est-ce qu'il veut? Je comprends pas. Votre attention. Un dangereux criminel rôde actuellement dans le quartier. Ça, je pouvais passer. On est d'accord. Hein. Je sais plus ce que je fais ou pas. C'est horrible. J'ai envie de tirer. Immédiatement la garde si vous voyez cet ami. Vous allez mourir. Oh, oula, merde, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je sais que vous êtes dans le coin. Oh.
Je fais une bêtise. Je sais que vous avez, voilà. Quelqu'un, faut m'aider. Vous resterez pas caché longtemps. Mais là, pour la garde. Oh, mais t'es beaucoup trop fort, toi, j'adore. Hein. C'est quoi qui m'a tué? J'ai pas compris. Je croyais que je pouvais passer moi à travers le portail. Et c'est pas lui. Non, c'est quelqu'un derrière qui m'a tué. Ah si, ouais non, je vais tout faire péter. Non, peut-être pas tout de suite. Je le ferai peut-être après. Oh si, allez, on va tout faire péter. Où êtes-vous ? Sonne l'alerte ! J'arrive pas à voir pour les personnes. Sonne l'alerte ! Nous savons que vous êtes là. Je sais que vous êtes là quelque voilà. Part. À moi, l'air. Mais non, vous savez rien du tout. Ah, mais c'est vrai que j'avais sauté, je pouvais pas remonter. Ah, mais si, peut-être en fait. Je dis des bêtises, en fait, si, je peux certainement remonter. Si je fais le tour comme ça. Eh oui! Bon bah ça va. Bon, j'ai un peu foutu la merde, je vous l'avouerai, mais... Votre oncle est mort. Voici son testament, comme convenu. Il est mort. Je suis coupable, n'est-ce pas? Non. Quelle étrange sensation. Je vous ai promis des informations. Soit, mon oncle était sous le charme de Delilah. Elle l'obsédait même. Elle servait à Dunwall Tower avant d'étudier avec Sokolov. Elle était peintre, une artiste. Un rang social bien inférieur au nôtre. Mon oncle est tombé amoureux d'elle. Il semblait plus vieux et laissait les bougies allumées la nuit. Il avait peur du noir. Une nuit, nous sommes allés chez Waverly Boyle pour une séance occulte. Nous pensions nous distraire. Nous ne savions pas ce que nous faisions. En principe, seuls les morts peuvent être appelés. Mais soudain, Delilah est apparue dans la pièce. Mon oncle faillit mourir de frayeur. Elle était là, c'était troublant. C'était comme si elle se tenait très loin, au milieu du vieux manoir Brigmore, devant un chevalet peignant un nom. Votre nom d'Aude. Ah merde. Je n'en sais pas plus. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. D'accord, bon. Bah, ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant? Voilà pour notre cher avocat. Il l'avait cherché. Les hommes comme lui finissent seuls. Sa propre nièce l'a trahi. Êtes-vous prêt à partir? Bah oui, oui. Allons-y. Oh, j'aime sa voix rauque. Allons-y. Alors, ennemi tué 48. Oh, à deux près, j'aurais pu faire les 50. Ça aurait été pas mal. Hein. Civil. J'ai tué un civil, moi? Bon, c'est possible. Découvert 17, chaos total élevé. Bon bah voilà. Ah mais je suis contente parce qu'on a quand même trouvé l'hôtel de l'outsider. Bon, il nous manquait une rune. Mais bon hein, ça va hein.
c'est à peu près Jessamine correct. Jessamine Caldwin était la seule à pouvoir rassembler cette ville. Sans elle, la ville n'était plus qu'un vaste chaos de gardes, de superviseurs, de nobles, de géniards. Peut-être était-ce le monde que l'Outsider avait toujours essayé de me montrer. Depuis des années, je voyais sur un vague ramassis d'anciens mercenaires, d'orphelins et de réfugiés, avec fermeté et un brin de magie noire, en marge d'une ville sans pitié pour les innocents et les faibles. Ce monde allait peut-être s'écrouler aujourd'hui. J'ai revu Jessamine Caldwin agoniser, ses derniers instants de vie. Quoi qu'il puisse arriver, je le méritais, mais pas mes protégés. C'était le visage de Billy, enfin, qu'on a vu. Cette amélioration, armure améliorée. Oh. Alors ça, on est riche, on a plein de thunes. Ah, j'ai pas de faveur. Ah bon. À déception. alors qu'est-ce que ça fait? Réduire les dégâts. Ah, ça me... Ouais, ça paye pas mal. Sinon, réserve de mach... Ah, un charme d'eau peut-être. Ah, allez, ouais, ça pourrait être sympa. Paralysante, bon, on va déjà refaire le plein. On va en prendre deux, ça ira. Grenade, j'en ai plus. Mine, j'ai pas trop épi... Ah oui, bah, ça forcément. Explosif, bon, on va prendre, voilà. Tranquillisant, j'en ai pas trop besoin. On va en prendre un peu de grenade. Allez, trois. Ah, qui assomme la cible. Paralysante. Ah, j'ai pas fait gaffe, je croyais que c'était ça. Non, bon, bah non. Amélioration, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Permet de transporter 10 carreaux standards supplémentaires. Pour un total de 20. Parce que j'en ai combien là? 10. Ah, ah ouais. Ça, limite, je veux bien, ouais. Et puis 3 minutes permet d'activer un charme d'eau. Ah oui, non, ça j'ai pris. C'est déclenché une fois de plus. Ah, ça serait intéressant ça aussi, mais. Bon, vu qu'il n'y a pas de faveur, on va essayer comme ça, puis on gardera un peu. Comme ça, ça nous fera garder un peu de soupe pour la prochaine fois. Alors, oui, sauf que non. Voilà. C'est gentil, mais je dois faire quoi? Oui, Delia est une puissante sorcière. Ouh! Ah, d'accord. Maître Daude. On a été attaqué par les superviseurs. Ils tiennent la base. Nos forces sont en déroute. Les superviseurs ont fait des prisonniers. Et leur chef occupe vos appartements. Si on parvient à se regrouper et à l'éliminer, je pense qu'on a une chance de les repousser. Je veux d'abord savoir comment ces fumiers s'y sont pris pour nous repérer. Si j'avais su qu'il y avait autant, j'aurais pas pris... Ah oui, c'est vrai que maintenant je peux en porter 20, donc en fait, si... Rencontre de Daude. Ah, ça, je vais le lire, ça. Enfin, pas maintenant, évidemment. Quand je ferai le montage, parce que ça, c'est intéressant. Ça, j'aime bien. Bon. Du coup, faut aller leur péter la tronche. C'est très chaotique hein, chez toi, hein. Je veux pas dire, mais... Je passe par où, moi? Non, 4. Faut que je crapahute là, là? Ah, il y avait une chute. Ah, mais si, ça c'est le... Ah, mais oui, d'accord, oui. Je vois où nous sommes, alors, du coup. Avec Corvo, finalement, oui, c'est là qu'on vient
pour le défoncer. Là-bas, il y a un livre. Mémoire, extrait des mains du capitaine sur son lit de mort. Voilà. Ça fait que du coup, il y a des gardes partout. Ce soir avec du whisky et des cigares, et il y a de bonnes chances. C'est marrant parce que j'ai l'impression de refaire exactement le même niveau, mais du coup c'est avec une autre personne. Donc, enfin, avec le méchant que de base je vais tuer. Enfin, que j'ai pas tué, mais avec comprise. J'imagine que ça se passe avant, vu que tous les trucs sont... J'en entends un qui utilise son machin là. Oh là 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 là, mais ils sont beaucoup trop. Mais comment je vais faire ça moi? Dans le doute, je vais essayer ça. Je sais pas s'il me tire dessus ou si Ah non, c'est mes assassins du coup qui font le reste du travail. Ah, c'est franchement, c'est trop bien fait quoi. Genre, je suis pas juste tout seul à me battre contre les méchants. C'est le papa qui fait tout quoi. Du coup, non, ils en profitent pour attaquer aussi. Non, mais c'est bien parce que voilà quoi. Carreau explosif. Ah, j'aurais pu tous les faire péter. Eh, hey, il manque un truc là. Peut-être qu'il décide de l'installer après. J'ai jamais remarqué que quand tu lançais un carreau, et ben il y avait une chance que tu puisses le récupérer après. Ou à moins que celui-là, il était là de base. Je sais pas.
Vas-y, vas-y. Je pourrais prendre des carreaux anesthésiens. Qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai consigné. Cet artefact impie, il a été découvert sur l'un des hommes de Daud dans une zone d'entraînement de la chambre du commerce. Vous trouverez une caisse destinée aux objets de cette nature dans notre base temporaire. Ajoutez une entrée dans la... Ok. Bon. Avant de continuer d'aller dans l'autre salle, je pense que du coup... Ah ouais, je les ai fait quand même un peu exploser. C'est un peu dégueu. C'est horrible. Je suis désolée, mais je voyais prendre. Je me disais, attends, il va pas prendre le... Le torse, c'est si. Enfin bon, bah du coup, je vous remercie de regarder cet épisode. Et puis, bah, je vous dis à plus dans le prochain.